Comme Israël, nous proclamons comme les apôtres. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en son Fils Jésus-Christ. Merci au Dieu, tu nous as fait grâce de te connaître. Toi le seul vrai Dieu. Et tu nous as délivrés de toute influence de l'idolâtrie. Merci pour la nouvelle vie en Jésus-Christ. Merci pour la nouvelle vision de la vie en Jésus-Christ. Merci pour toute la réussite que tu nous donnes en Jésus-Christ. Bénis ce moment de l'écoute de ta parole et de l'annonce de ta parole. Il est écrit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons besoin de ce salut, le salut intégral, holistique, ce salut qui nous visite dans tous les aspects de la vie. Bénis ce moment au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous mettre, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il permet qu'on se retrouve encore. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, la Bible dit que toute âme qui vit doit espérer. Toute âme. Toute personne qui a le souffle de vie doit espérer. C'est pour dire qu'on ne peut pas effacer ton nom sur la liste de ceux qui peuvent connaître le merveille. Donc on ne peut pas effacer ton nom sur la liste de ceux qui vont devenir milliardaires. Parce que tu as encore le souffle de vie. C'est possible. On ne peut pas effacer ton nom sur la liste de ceux qui vont se marier. Parce que tu as encore le souffle de vie. Et chez nous, on dit « Sokoku finanote bakolongolote ». Si on ne t'enterre pas, si tu es encore vivant là, c'est toujours possible. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et aujourd'hui, j'ai quelques sujets de prière. Et nous allons tirer cela dans l'évangile selon Luc. Et c'est l'histoire que nous connaissons d'un publicain qu'on appelle Zachée. Et cet homme m'inspire beaucoup. Et aujourd'hui, par son histoire, sa rencontre avec Jésus-Christ, nous allons tirer certaines choses. Nous sommes dans Luc 19. On commence par le premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'hâta de descendre et le reçut avec joie.
Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Vous pouvez vous mettre. Parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, je peux intituler mon intervention sur au-delà de mes rêves. Je pouvais parler de au-delà de mes rêves. C'est pour dire que tu reçois ce que tu as rêvé, tu reçois aussi ce que tu n'as pas rêvé. Je pouvais aussi intituler ça le double salaire en Jésus-Christ ou le double bénédiction en Jésus-Christ. Bien-aimés, on nous dit que Jésus, étant entré à Jéricho, traversait la ville. Mais il y avait un homme riche qui cherchait, la Bible dit, cherchait à voir qui était Jésus. Ça sous-entend, il a entendu parler de Jésus-Christ. Alors, il était quand même curieux de voir cet homme, il est comment? Parce que tout le monde en parle. Une foule derrière lui, mais c'est qui? Bien-aimé dans le Seigneur, il voulait voir qui était Jésus-Christ. Il n'avait pas le rêve de devenir disciple. Non. Il voulait simplement voir. Il est comment cet homme? On parle beaucoup de lui. Il est comment? C'est pour dire que quand il est sorti de sa maison ou de son bureau, cet homme-là avait un seul rêve, un seul objectif à atteindre, c'est de voir seulement il est comment. Et après, continuer à faire ce qu'il avait. Ce que j'aime avec cet homme, on nous dit qu'il était riche. Il était riche, il était aussi chef. C'est pour dire que dans sa vie, il avait déjà ce qu'un homme peut chercher. Il était riche. Parce que nous autres, quand on allait à la prière, là, les riches croyaient qu'on allait là-bas parce qu'on était pauvres. Ah, ils prient simplement parce qu'ils sont pauvres. Ou peut-être ils prient seulement parce qu'ils n'ont rien à faire, parce que quand on n'a rien à faire, on croit que la prière, c'est pour les hommes et les femmes qui n'ont rien à faire, ils vont seulement aller prier. Non. Lui, il était riche. Il était aussi chef, donc il avait un job. La Bible dit, il est allé pour voir. Ça, c'était son objectif. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je vais te poser une question. Quel est ou quels sont tes objectifs que tu veux atteindre? Bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre, les hommes et les femmes qui réussissent, ce sont des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton rêve? Moi, si j'ai dormi et que le Seigneur me réveillait, même à 2h, 3h du matin, il me pose la question, Kondo, qu'est-ce que tu veux? Je vais lui dire directement parce que je sais ce que je veux. Je sais que ce que je veux, je sais aussi ce que je ne veux pas. Bien-aimés, nous sommes au mois de février. Qu'est-ce que tu veux? Pour cette année, qu'est-ce que tu as dit au Seigneur? C'est sûr que s'il était dans son bureau, avant de sortir, il dira
à son secrétaire, j'arrive, si on me cherchait, j'arrive, je vais voir un peu qui est ce monsieur-là. Hein, ce monsieur-là. Je suis sûr que même la secrétaire savait que le chef est sorti pour aller voir qui est cet homme-là qui passe là-bas, Jésus. Peut-être s'il a croisé aussi quelqu'un sur la route, hein, « Ah, mais chef, tu vas où ?»« Non, je veux voir un peu cet homme-là qui passe. Il est comment ?» Vous savez que quand vous avez un rêve, vous avez un projet, les gens qui vivent avec toi sauront que tu as un projet. Moi, j'ai ce défaut-là de partager ce que je pense, ce que je veux. J'aime partager. Mais on nous dit aussi qu'il faut faire attention parce que Joseph est allé, on l'a vendu à cause de ça. Mais on ne partage pas avec n'importe qui. Bien-aimé, il sort avec un objectif. Voir qui est cet homme-là. Nous sommes au mois de février. Quels sont tes objectifs pour cette année? Nous allons prier. Je commence par là. Aujourd'hui, ça sera la Teïmouké de Sambéli. Hein? Je prêche un peu. Je prêche un peu, on prie. Parce que c'est quand même 50 jours de prière. N'est-ce pas? Amen. Alors, chacun va raconter au Seigneur le rêve que tu as. Ce que toi tu veux. Raconte ça au Seigneur. Alinga le dira, raconte. Qu'est-ce que tu veux? Zaché, c'est de voir. Toi, c'est quoi? Prions le Seigneur, même une ou deux minutes. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour cela que pendant les 50 jours ici, les jours qui vous restent dans la prière, venez souvent avec un cahier, avec un stylo. Il y a des choses qu'il faut noter. Si tu avais un cahier, un stylo, ou une feuille ou un stylo, je te dirais, réécris un peu ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, le Seigneur sera glorifié dans l'accomplissement de ton rêve, dans l'accomplissement de ce que toi tu veux. Ce que tu veux. Il y a quelque chose qui bouillonne dans ton cœur. Tu n'as jamais partagé cela à quelqu'un d'autre. Mais c'est ton rêve, c'est ton objectif à atteindre. Hein? Il a des objectifs à moyen terme, à court terme, à long terme. Donc tu sais que si tu m'aides, Seigneur, voilà ce que moi je veux voir dans ma vie. Dans ma vie. C'est pour dire que je suis là pour ta vie. Dieu m'a envoyé ici pour ta vie. Ta vie, ce que tu veux. Moi, je suis pasteur, je dirais, nous les pasteurs, on parle beaucoup ministère. Qu'est-ce que tu veux dans ton ministère? Qu'est-ce que tu veux dans ta profession? Qu'est-ce que tu veux dans ce que tu veux voir dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu veux voir dans cette année, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux voir? La Bible nous dit de prier sans cesse. Peut-être le matin, tu as prié pour ton rêve là. Mais le Seigneur veut encore écouter ta voix. Olinginini, qu'est-ce que tu veux? Et la Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons maintenant faire le contraire de cette prière. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que toi tu ne veux pas? Là, je suis dans le psaume 13. Et David dira à Dieu,
ne me donne pas ce sommeil-là, mon ennemi va se réjouir. J'aime beaucoup ce psaume-là. David qui dit, ne me donne pas ce sommeil-là. C'était la mort. Mais avec le temps, il dira à Dieu, à son fils Salomon, je m'en vais sur les chemins de toute la terre. Donc, mais en ce temps-là, il a dit à Dieu, ne me donne pas ça. Ça, je refuse. Ne me donne pas ça. Il est ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et il y a, dans mon histoire, il y a plusieurs années en arrière, il y avait un repas là, une viande là, chez nous là, on a vendu ça pendant une période, c'était, je ne sais pas en français comment on va appeler ça, on appelait ça, c'était un kikongo, d'abord on ne terminait pas la phrase, madendon. 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 Les parties intimes de dinde. Mais cette phrase-là, il y a une honte là-dedans. Hein? Madendon. Alors, le gésier de dindon. Le gésier de dindon. Le gésier. Uh-huh. Et le gésier de. Madendon. Je peux dire ça clairement, mais il y a une honte là-dedans. Vous comprenez. Bien aimé, j'ai dit à Dieu, les madendons là, je ne mangerai jamais ça. Comment les autres ont mangé les pommes avant des dindons et nous autres, c'est l'arrière du dindon. Bien aimé, un jour j'avais faim, je devais aller prêcher, j'arrive là où je devais prêcher, là je vois le pasteur au bureau en train de manger ma dindon. Je regarde, j'ai dit cette histoire, j'avais dit à Dieu, pas chez moi. Heureusement que Dieu m'a aidé, j'ai supporté ma faim, j'ai dit ça, je ne mange pas. Il y a des choses, il y a ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors maintenant, qu'est-ce que tu ne veux pas? Zachée, quand il est sorti de son bureau, c'était pour le voir. C'est ça qu'il voulait. Bien aimé, qu'est-ce que tu ne veux pas? Ne me donne pas ce sommeil-là. Mon ennemi va se glorifier. Ne me donne pas. Bien aimé, comme tu es là, il y a des choses, si cela arrive dans ta vie, tes ennemis vont faire la fête. Et ta vie-là ne peut pas être le sujet de la fête des ennemis. C'est pour dire que, dis à Dieu clairement, parce qu'on vient de prier pour ce qu'on veut. Alors ce qu'on ne veut pas là, il faut dire à Dieu, si j'ai échoué là, si j'ai échoué là, tu ne seras pas glorifié. Et David un jour a dit à Dieu, que gagnerais-tu à verser mon sang? Que gagnerais-tu? Hein? J'écoutais ma mère chanter, même si j'ai mal agi, est-ce qu'il ne peut pas me pardonner? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Nous allons prier. Mais moi, je pense que, avant qu'on prie, prends seulement des choses, hein, partage à quelqu'un d'autre. Dieu sait que moi, je ne veux pas dans ma vie. Il y a ça et ça qu'il prie pour toi. Et après, tu vas prier aussi pour toi-même. Ce que tu ne veux pas. Si on peut se mettre debout, partage. Ce que tu refuses.
Zachée est sorti pour voir. Ça, c'est son rêve. Il y a ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est que tu refuses. Bien aimé, il y a des choses que tu refuses. Tu es là à Istanbul, mais il y a des choses que tu refuses. Et comme ça, le matin à Vina, il n'y a pas question. Ce sont tes ennemis qui vont se réjouir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Au nom de... Gloire à Dieu. Maintenant, vous allez prier vous-même. Là, quelqu'un d'autre a prié pour vous. Bien aimé, il y a des choses, quand cela arrive dans ta vie, les ennemis vont faire la fête. Paul a bien compris. Il a dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, il y a des choses bien aimées dans la vie. Si cela arrive, c'est fini. Personne ne va croire à ton Dieu là. Chacun prie. Prions le Seigneur. Maintenant, c'est toi qui prie. Priez. Au nom de... Gloire à Dieu. Mettez-vous. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans ce que nous voulons. Et comme c'est la semaine, c'est ma dernière semaine, je me demanderai, venez avec un cahier, avec un stylo. Parce que c'est 50 jours de prière. Ça
pouvait aussi être 50 jours d'enseignement. Mais ici, c'est 50 jours de prière. Ça sous-entend, ce que nous enseignons nous conduit à la prière. Alors demain, chacun avec son dossier de la vie. Dans ton dossier-là de la vie, tu vas écrire dès le début du cahier là, l'âge où tu demandes à Dieu, l'âge. Tu vas dire à Dieu, ne me prends pas avant cet âge ici. Amen. Amen. Ça va? Amen. Écris ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, vous savez que quelqu'un qui a un rêve, a une vision, ce qui suit la vision, c'est l'action. Il est sorti pour aller voir. Ce n'est pas un simple rêve où on dit chez nous, Mbindotila. Il veut voir, il quitte son bureau pour aller. Et c'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces rêves-là que tu as, il y a des actions que tu dois monter. Il y a des actions. Alors nous allons prendre une ou deux minutes encore dans la prière. Demande à Dieu, quelle action monter pour que mon rêve-là devienne une réalité? Quelle action? Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, j'ai écouté quelqu'un qui a dit, les cimetières, c'est là où il y a beaucoup de rêves non accomplis. Pourquoi? Parce que il y a ceux-là qui ont rêvé, mais qui ont cru que Dieu va le faire à leur place. Quelle action monter pour que ces rêves-là deviennent une réalité? Quelle action? Qu'est-ce que je dois faire? Que le Dieu de gloire te révèle. Amen. Ce que tu dois faire. Amen. Et pour Zachée, il est sorti, il est allé. Bien-aimé, tu es à Istanbul, à Istanbul. Si tu es venu ici, ça sous-entend, tu es entré en action. Tu avais un rêve, ou peut-être le rêve s'est déjà accompli à 50%, il reste encore 50%. Peut-être le rêve s'est accompli à 90%, mais il reste encore 10%. Alors qu'est-ce que je dois faire? Car Dieu a tant aimé le monde, mais il ne s'arrête pas là. Il entre en action, il donne son fils. Tu dois entrer en action. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu des rêves, mais qui sont allés vivre avec des hommes et des femmes qui n'entrent pas en action. Vous savez qu'il y a dans un couple là du monde, on a parlé d'un joueur là brésilien qui fut peintre. Mais il a décidé qu'il va jouer à l'équipe nationale, peintre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans une équipe petit à petit, jusqu'à ce que sur ce combien d'années, il s'est retrouvé à l'équipe nationale. Et les spécialistes nous disent souvent que tu as un rêve, tu dois aller à l'accomplissement de ton rêve. Tu dois aller. Zachée est entré en action. Il est parti. Bien aimé, quand il est sorti là, c'est pour aller voir. Psychologiquement, il savait, je sors ici pour aller voir. On peut dire aussi qu'il avait aussi sa foi. Sa foi, c'était la foi de voir. Bien-aimé,
Il y a des gens aussi, tu peux sortir là, mais toi-même, tu te dis, bon, et aussi malangoté. Quelle foi! Est-ce que vraiment tu crois qu'on va réussir? Oh, quelle question! Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois? Et les gens qui posent cette question-là ont les rapports de tous ceux qui ont échoué à Istanbul. Tu peux croire que c'est lui le maire d'Istanbul qui a tous les rapports des gens qui ont échoué. Souvent, les gens ont des rapports de ceux qui ont échoué, mais ils n'ont pas les rapports de ceux qui ont réussi. Il y a des gens qui ont réussi. Hein? Mais c'est pour cela que je n'ai rien à faire. Heureusement que Dieu nous a bénis avec Google. Je suis les histoires des boxeurs qui ont gagné et des joueurs qui font succès. Bien aimé. Comme là, je connais l'histoire de Messi, je connais l'histoire de Ronaldo, je connais l'histoire de Cassius Clay, je connais aussi l'histoire d'Obama. J'étais curieux de savoir un noir. Parce que son père, c'est quelqu'un du Kenya. Non loin du Congo démocratique, mon pays. Dans son pays-là, il y a encore des sorciers, plus que des sorciers congolais. Comment cet homme-là, qui l'a délivré pour qu'il devienne président des États-Unis? J'ai acheté 3 livres écrits par Obama parce que je voulais savoir comment cet homme-là. Alors bien, mais ça m'a encouragé. Je lisais. On est allé. Est-ce que tu crois vraiment? Vous savez aussi, chez nous aussi, les chrétiens, on exalte trop des liens. Liens de famille. C'est pour ça qu'un jour, moi, j'ai posé la question, qui a délivré Obama? Bien aimé, tu dois entrer en action. Amen. C'est pour cela, ce que nous allons faire maintenant là, on va se lever, ok, tu vas même jusqu'au fond là-bas, tu rentres, donc j'entre en action. J'entre en action et je réussirai. Zachée, c'était pour voir. Et toi, tu commences à prophétiser sur ce que tu veux voir dans ta vie. Au nom de Jésus. Allez, on se lève, on fait cet exercice-là prophétique. Bien-aimé, Zachée est sorti à cause de son rêve. Le rêve ne peut pas te laisser oisif. Jamais, 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 jamais. Le rêve ne peut pas te laisser oisif. Jamais. Tu dois entrer en action. Il est sorti de son bureau pour aller voir. Parce qu'il voulait voir. Qu'est-ce que toi tu veux? Entre en action. Entre en action. Entre en action. Entre en action. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce que tu fais là, dis, je suis en train d'aller conquérir les trophées de ma vie. Je suis en train d'aller conquérir les premiers millions de dollars de ma vie. Alléluia. Je suis en train d'aller atterrir dans la ville de mes rêves. Oh, gloire à Dieu. 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 On acclame le Seigneur et on prend sa part. Revenez à ta place en acclamant le Seigneur. Ce que tu feras, que cela soit béni. Les actions que tu vas monter, que cela soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il arrive, la Bible dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille, obstacle. Obstacle. Sa taille, obstacle. Il est venu aussi en retard, parce que le premier était déjà là.
Les moutons moudiques étaient déjà avant lui. Bien-aimé, même si on te dit que tu es venu en retard, tu n'es pas en retard. Amen. Tu es venu au bon moment. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour toi qu'il faut dire à Istanbul, je suis venu au bon moment. Amen. Tu es venu au bon moment. Tu es là, là où Dieu voulait que tu sois. Amen. Les obstacles, bien-aimé, les obstacles ne manquent pas dans la vie. Et ne fais pas de ton obstacle un Dieu. Ah, c'est impossible. Jamais. Jamais, 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 jamais. Oh, c'est impossible. Et si, surtout si tu es entouré par des gens qui te connaissent. Ah non, ce que tu rêves là. Ce que tu dis là, oh, c'est impossible. Bien-aimé, il arrive là. Ce qui était déjà dans la rue là. Sur la route, au bord de la route. Il était aussi connu, collecteur d'impôts. Il était en infraction. Parce que quand je vois les collecteurs d'impôts chez nous, ça sous-entend à Kangaba, magasin, Ganiba, pharmacie. Donc, c'était pour la foule, là, une occasion de lui faire payer ce qu'il a fait. Mais lui était fonctionnaire de l'État. Qui pouvait le laisser voir? Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui n'as personne pour t'aider, tu sais ce que tu as, c'est ton rêve. Tu sais ce que tu as, à part ton rêve, c'est ton engagement de voir ton rêve devenir une réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, on l'a empêché de voir. Vous savez, des hommes et des femmes qui ont souffert, ce sont ces hommes-là qui ont compris la vie. Ne fais pas de ton obstacle un obstacle. L'obstacle ne résiste pas devant un rêve. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. L'obstacle ne résiste pas devant un rêve. C'est comme j'ai écouté quelqu'un qui a dit, un roi ne recule pas. Moi, je disais souvent, si tu es devant un grand obstacle, tu peux dévier cela. Mais j'ai écouté quelqu'un qui a dit, un vrai roi ne dévie pas l'obstacle, il affronte l'obstacle. Comme toi aussi, tu vas affronter. Il était là derrière, personne pour le laisser voir. Toi aussi, qui va te laisser réussir dans cette ville ici? Qui va te laisser? Qui va te laisser? Satan n'est pas ton oncle. Les démons ne sont pas tes cousins. Alors qui va te laisser? Les jaloux aussi sont là. Les méchants sont là. Qui va te laisser? Bien, mais vous savez que le rêve, c'est une protection. Parce que tu sais ce que tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est devant un obstacle? Moi, ce sont les obstacles et les discours des autres qui m'ont aidé. Je l'ai dit souvent. J'ai eu des enfants, même au village, quand même, il y a des hommes qui se respectent. Même au village. Moi, à Kinshasa, j'ai eu des enfants. Même les coqs ne peuvent pas faire ça à la poule, ça pour sa femme. C'est comme mon épouse, elle a enfanté ça lundi, mardi, mercredi. Bien aimé, j'ai eu des enfants à la maison, là, quand ils étaient petits. Tu trouves que cet homme, il n'a pas de distraction. Oui, je n'avais pas aussi de distraction parce qu'il n'avait pas la télé. Et on me parle de l'eau qu'on a gagné, mais quand on a gagné,
Mais ils avaient raison. Mais comme il avait des hommes et des femmes qui disaient, on verra s'il va réussir à élever ses enfants-là. J'ai écouté ça. Bien-aimé, je n'ai ni frère ni sœur sorti de l'utérus de ma mère. Mais ça m'a fortifié. Je faisais parfois, ceux qui connaissent Kinshasa, moi j'habitais Lingwala, mais je faisais pied aller-retour pour aller chez ma mère chercher les pondou. Pondou ba dongolate. Les gens trouvaient, c'est un bon mari. Oh, ce n'était pas une question d'être bon mari. C'était, j'avais un défi à relever. Il faut pas dire. Là où j'étais locataire, parfois, j'épilais moi-même les pondou. Et les autres femmes là. C'est moquer de leurs époux. T'as le mobile qui t'occupe wana. À tout d'un coup, donc on est pauvre avec un défi. Parce que l'obstacle, c'est un défi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un défi? Tu réussiras. Amen. Tu réussiras. C'est un défi. On ne recule pas. Et ce que Zaché n'a pas fait, c'est de rester derrière en train de pleurer. Ah, vous savez, vous pouvez m'aider tellement de voir. Je suis sorti pour vous voir. Ayez pitié de moi. Non. Quand il a compris qu'avec cette foule, ils sont en train de me faire payer. C'est sûr qu'il commence à réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Il regarde devant Sycomore. Bien-aimé, je veux te dire, il a une solution réservée par Dieu. Amen. Sycomore, riche, chef de publicain, allait monter sur un arbre. Quelle humiliation! Mais il n'a pas vu l'humiliation. Lui, il voyait son rêve. Vous savez, à cause de votre rêve, il y a certaines choses. Je connais, peut-être il va suivre ça. J'ai un ami aux États-Unis. Je l'ai déjà fait 4 fois là-bas, chez lui. Médecin. Aux États-Unis, au début là, il est devenu peintre. Un jour, un autre Africain, là, immigré, commençait à l'embêter. Il lui a dit, dans ce travail ici, il n'y a personne, même le chef, notre chef là, personne n'a un diplôme comme moi j'ai. Mais peintre. Attends, mais docteur en médecine. Je ne connais que Kinshasa. Responsable d'une polyclinique. Vous êtes un peintre. C'est sûr que tant que tu as ma couleur, tu es pas un gandzambé. C'est rien. J'ai mon objectif. Je vais atteindre mon. Gandzamba bomboy. Bien aimé. Les obstacles, les gens qui se moquent de toi. Là, ce sont des vitamines qu'on te donne pour réaliser ton rêve. Ce sont des vitamines. Parce que nous autres là, nous sommes comme la pénine là. Elle s'est moquée de qui? De Anne. Bien aimé, le jour où je vais entrer au ciel, après avoir dit au Seigneur certaines choses, je les glorifie, je vais faire les défilés au ciel pour dire à Dieu merci, mais je vais chercher Pénina. Pour dire, est-ce qu'elle sera là? Pénina. Pour dire à Pénina, merci, tu as aidé Anne. Parce que comme elle s'est moquée d'elle, Anne n'a trouvé jamais dans ce mariage. Moi aussi, j'aurai un enfant. Pénina ne savait pas qu'elle poussait Anne aller voir Dieu, consulter Dieu. Bien-aimé, les obstacles.
raison là pour te pousser à croire en Dieu, pour te confier en Dieu. C'est sûr qu'à un moment là, il s'est détaché de la foule. Il commence à dire, qu'est-ce que je vais faire? Mais il va passer. Je suis sorti pour le voir quand même. Il vient, si comment? La foule croyait qu'il était derrière. Oh lui, il était déjà sur les sycomores. Bien aimé, vous savez cette histoire-là, comment on appelle ça? On le voit même dans l'armée. Hein. C'est comme un avion, mais ce n'est pas l'avion. Comment on appelle ça? Drone! Bien aimé! L'idée des drones est venue avec Zachée. Donc il était là, drone, en train de voir. Bien aimé, Dieu va te donner une idée et cette idée-là va te sauver. Quelle est l'idée qui circule dans ton cœur, là, dans tes pensées? Tu as une idée. Bien aimé, ne marche pas contre cette idée-là. L'idée-là, c'est salvatrice. C'est ton salut dans cette idée-là. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup de gens dans la vieillesse. Oh, moi aussi j'avais cette idée-là. Mais tu n'as pas fait ça. Mais les autres ont eu l'idée, ils ont fait ça. Faites attention dans la vie, tu vas croiser des hommes et des femmes qui ont eu les mêmes idées que toi. Toi tu n'as pas fait, mais ils ont fait ça. Et ils ont réussi. Et après tu diras, Ngabela Sakina Hidango. Et tu as fait ça, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est pour cela que je regrette tellement que tu n'as pas un cahier. Écris un peu l'idée que tu as. Parfois, l'idée là contredit ce que ton père veut. Contredit ce que ta mère veut. Contredit ce que ton patron veut. Mais c'est ton idée. Je ne sais pas, j'ai beaucoup parlé, que je m'arrête, parce que vous appelez Mboka Libanga, le Bokende Libanga, Bokende Caillou. Quelle est ton idée? Bien aimé, même dans la prédication, en tant que prédicateur, on a quand même une idée. Une fois, je devais aller enseigner à Consos. C'est un rassemblement que Amos Mbayo organise chaque année une fois et chacun a son jour. L'année passée, c'était 21e session. Moi, j'ai fait 21 sur 21. Alors, bien aimé, une fois, j'avais le texte, c'est toujours ce texte ici. Mais les sous-thèmes ne venaient pas. J'étais au volant avec des pasteurs qui m'accompagnaient pour aller à la grande rencontre. C'était mon jour de prédication. J'arrive à pont ma tête. J'ai crié, j'étais au volant. Pour le côté, idée. Vous savez comment j'ai intitulé ça? Lui, il connaît. Parce qu'il m'a parlé de ça. Bonico, Boni Bilobera, idée, wana na zoa, mona pont ma tête. Na vola, na Gandhi, hey, Bonico, Boris Ilomela. Depuis que le sujet existe, mon idée là, j'arrive là-bas. Quelle idée! Bien aimé, tu as une idée. Développe ton idée. Amen. S'ils ne vont pas croire, c'est ton idée. Amen. S'ils vont te combattre, c'est ton idée. Amen. Et Jésus arrive, il regarde, oh, Zachée, descend. Vous savez, quand il a appelé, Zachée, tout le monde, au lieu de regarder en haut, ils ont regardé derrière. C'est pour cela,
ceux-là qui croient que tu resteras seulement derrière, ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Zaché était sur l'arbre. Mais merci comment j'ai regardé plusieurs fois dans le dictionnaire. C'est un arbuste sauvage. Ballon à kangote. Et bota kango moko. Ces jours-là, cet arbuste sauvage a aidé Zaché. Bien-aimé, sur ta route, même les païens vont t'aider. Bien, mais pour que Dieu te bénisse, il n'a pas besoin seulement de ceux qui parlent la langue. Un occultiste peut faire une erreur à aider. Yo. Il t'aide, il va regretter après. Mais c'est un chrétien. C'est déjà trop tard. On sort de qui? C'est pour dire que toi qui dois prier, chrétien ou pas chrétien, Dieu, mets-le sur ma route. Ils vont m'aider. Partout où tu passeras, tu auras toujours quelqu'un qui va t'aider. Et moi, je prie souvent partout où je suis. C'est pour cela, là où je suis aussi, j'aime donner des offrandes. Et non, la paix, c'était quand même paix, la calibée. La paix, la calibée, là. Bien aimé, même les sauvages, si comment arbitre sauvage, contribue au rêve de Zaché. Il a vu Jésus. Bien aimé, bato ba kabakate, bako kabilo. A kabis m'a regretté. Mais c'est déjà trop tard. Les professeurs là qui ne donnent jamais de points, il va te donner les points. Délibération, tu as déjà réussi, il regrette. Comment je lui ai donné 8 sur 20? Non, 18 sur 20. Mais comment, quelle erreur? Bien aimé, pour toi, les hommes et les femmes feront des erreurs. Pour que tu accomplisses ton rêve. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Tu es d'accord? C'est ça que tu vivras le reste de ta vie. Partout où tu passeras, il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un. Même si les sorciers se réunissaient, il y aura un sorcier qui dira pas lui. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Kuna fongo ya bandoki, donc dans la réunion des sorciers, des vrais, leur chef a décidé qu'on doit la battre. Mais il y aura quelqu'un qui dira, chef, pas lui. Pas lui. Et comme le chef aime les sorciers là, il va écouter. C'est pour cela, il y a certaines personnes, les jours comme ça, tu crois ces sorciers là qui étaient dans la réunion, ils te regardent. Mais si ce n'était pas lui, aujourd'hui là, il allait voir. Partout, tu auras toujours quelqu'un. Amen. Tu auras toujours quelqu'un qui va parler de ta part. Toujours quelqu'un. C'est pour dire que, bien-aimé mon Seigneur, tu ne peux pas reculer. Là où tu es arrivé, on ne recule pas. On ne recule pas. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Bien-aimé. Ah, bon, que je termine ça. Jésus lui dit, allez, tu descends. Il a vu Jésus. Hein? On peut dire qu'il a mérité. Il a mérité, il a vu Jésus. Mais voilà encore ce que Jésus dit. Aujourd'hui, je veux passer. Attends, je vais chercher la parole de Jésus. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il n'est pas sorti pour recevoir Jésus. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas recevoir ce que tu voulais et Dieu va te donner ce que tu n'as pas rêvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord? Amen. Ta vie là, ça devient miraculeux. Amen. Tu reçois ton rêve. Amen. Tu reçois aussi ce que tu n'as pas rêvé. Amen.
Quand il est sorti là, ce n'était pas pour recevoir Jésus. Psychologiquement, matériellement, rien n'était préparé pour recevoir Jésus. Jésus dit, je veux passer chez toi. Je vais entrer chez toi, je vais dîner chez toi. Et si je suis déjà préparé, non. Je vais te dire, dans ton agenda, il y a des choses que Dieu va accomplir qui ne sont pas inscrites dans ton agenda. Et ça, tout le reste de ta vie. Tu seras béni double fois. Béni avec ce que tu as rêvé. Béni aussi à ce que tu n'as jamais rêvé. Bien-aimé, le Seigneur va te conduire dans certains lieux que tu n'as pas rêvé. Dieu est capable de t'élever. Tu as atteint le sommet que tu n'as jamais rêvé. Deux bénédictions. Il mérite parce qu'il est sorti. Il a fait un effort. Mais il reçoit le roi des rois, le seigneur des seigneurs, dans sa maison, sans préparation. Sans préparation. Et quand Jésus va chez lui, la foule, c'est là où j'ai eu Bonico, Bonibilobela. La foule commençait, oh, la foule. Voyons. Qu'est-ce que la foule a dit à la foule. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Est-ce que dans la foule là, ce n'était pas des pécheurs? Comment vous allez exalter les péchés de l'autre? Un pécheur qui reçoit la grâce. Touba, bilobé là. Ta vie là. Il y aura beaucoup de journalistes qui vont commencer. Oh, scientifiquement, il n'a pas de diplôme. Scientifiquement. Bien aimé. Un jour, j'ai écouté les autres là. Batali, moi, c'est Abani. Batali, vous baillez. Un jour, il y a. Batali. Moi, c'est mon roquito. Ma balle, mon balle. Beau gosse. Les belles femmes se sont dit Bissoua qui toque pour Bakumona, qui a bissoté. Ouyou, pinzou, yu, loukoula. Et que qu'on s'en souffle. Ma balle. Bien aimé. Ta vie là. Beaucoup de journalistes vont en parler. Parce qu'ils ne vont pas croire. Scientifiquement, tu ne t'es pas préparé. Mais c'est toi qui crées. Et ils viendront vers toi pour te demander qu'est-ce que tu as fait pour arriver là. Tu auras deux salaires. Deux bénédictions. Ce que tu as mérité et ce que tu n'as pas mérité. Ce que tu as mérité et ce que tu n'as pas mérité. C'est un pécheur. Tout le monde le connaît. Un homme pécheur. Mais Jésus a choisi d'aller vers cet homme-là. Toi aussi, tu es le choix de Dieu. Les millions viendront chez toi. Des milliards. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Il y avait la foule, mais Jésus n'est pas allé à la foule. Il est allé se zacher. Que la grâce de Dieu te visite. Que la grâce de Dieu vienne vers toi. Que la grâce de Dieu te fasse distinguer au milieu de la foule. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas. On connaît ton histoire. Mais Dieu a choisi cette histoire-là pour faire éclater sa gloire. Il est allé chez Zachée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es né dans une famille, vous qui avez une famille foule. Mais la grâce t'a choisi. Amen.
Prions le Seigneur. Bien-aimé, s'il vous plaît, venez avec un cahier, avec un stylo. Prions le Seigneur. Chacun prie. Toi qui changes les programmes de nos vies, Seigneur. Dans ta main gauche, tu as ce que tu mon Dieu, mon roi, Seigneur, je prie, merci. Merci, le roi des rois, Seigneur. Merci, le Dieu qui ajoute, Seigneur, la bénédiction. Dieu qui nous donne, Seigneur, ce que nous avons demandé et ce que nous n'avons pas demandé, Seigneur. Merci, Seigneur. Ajoute encore, Seigneur, dans ma bénédiction, Seigneur. Ce que j'ai demandé et ce que je n'ai pas demandé, Seigneur, je crois que Seigneur va me donner cela. Je crois que Seigneur va me donner cela, Seigneur. Même ce que je n'ai pas demandé, Seigneur, je crois miracle, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, donne-moi aussi l'intelligence, Seigneur. Donne-moi aussi l'intelligence, Seigneur. Quand je veux recevoir cela, Seigneur, que l'intelligence, Seigneur, Zambé, ma journaliste, ma voya ébélé, ma journaliste, ma voya ébélé, Seigneur, Menaébi, Seigneur, je paie sa kabongo, je paie sa richesse. Quand tu donnes la richesse, tu donnes aussi sagesse, Seigneur, tu as fait ça à Salomon, et je crois, Seigneur, tu vas encore faire ça à moi, Seigneur, tu donnes la richesse et tu donnes sagesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu donnes, Seigneur, la richesse et puis tu me donnes la sagesse, Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire c'est ça, mon Dieu, mon roi. Je crois que, Seigneur, tu vas me donner ce que tu as demandé et ce que je n'ai pas encore demandé, Seigneur. Je me prépare, Seigneur, je me prépare, Seigneur, pour recevoir cela. Je suis en train de se préparer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur, double salaire. J'attends double salaire. J'attends double salaire, Seigneur. Comme nous sommes dans le deuxième mois de l'année, Seigneur. Yes, comme nous sommes dans le deuxième mois de l'année, Seigneur, je veux aussi recevoir double onction, double salaire, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Même le sauvage, le païen. Merci le roi des rois. Merci Seigneur, Dieu le tout puissant, Seigneur. Merci le roi des rois. Liboso na yo na musali na etogumba mela yo maboko na ngai na tomboli na etogumba mela yo Yahwe na etogumba mela yo sorti pour voir, il a vu. Bien-aimé, ce que tu fais, que le Seigneur te bénisse à réussir. Zachée ne pouvait pas rentrer au bureau ou à la maison sans voir Jésus. C'était son objectif.
Bien-aimé, tu as un objectif à atteindre. Tu ne vas pas reculer. Si pour atteindre ton objectif, cela demande des millions, Dieu te donnera des millions. Amen. Si ton objectif demande des relations, Dieu te donnera des relations. Yes. Si comme un arbuste sauvage, et on dit même que cet arbuste-là venait de l'Égypte, ce n'était pas d'Israël. Comme chez nous aussi, il y a des arbres, on nous dit que cet arbre, son origine, c'est tel pays. Si tu es Congolais, les Congolais ne vont pas t'aider. Les autres là, amen, les autres nationalités, amen, vont t'aider. Amen. Si tes propres frères, tes propres sœurs ne vont pas t'aider, le Seigneur mettra sur ta route. Je suis en train de prier pour toi pour que tes yeux voient les sycomores. Amen. Zachée, le Seigneur Jésus l'a appelé à son nom. Il les connaissait. Toi aussi, Dieu te connaît. Et il t'appelle par ton nom. Il veut se glorifier dans ta vie. Le nom du Seigneur Jésus sera élevé dans ta vie. Par ta vie, les hommes et les femmes verront les miracles. Par ta vie, les hommes et les femmes verront ce que Dieu est capable de faire. Yes. Zachée ne s'est pas préparé pour recevoir le roi. Ni préparation psychologique, ni matérielle. Mais il a reçu le roi. Il a décidé. Bien-aimé, cette année, Dieu a décidé de faire des choses dans ta vie. Tu seras surpris. Dans cette rencontre d'aujourd'hui, il y a quelqu'un. Les journalistes parleront de toi. Toutes ces chaînes-là mondiales vont parler. Yes. Ne néglige pas ta vie. Ne te laisse pas influencer par cette foule-là qui te barre la route. Nous allons dire merci à Dieu. Que chacun exalte le Seigneur. Prions. Tout tombe.